Bonjour, c'est Pascal Obispo dans Basique. Si c'est pas malheureux de n'avoir su avant. Le beau qui pleut, c'est le nouvel album de Pascal Obispo, un album écrit à quatre mains avec le parolier Pierre-Dominique Burgo, connu notamment pour ses textes pour Alain Chamfort et pour Le Soldat Rose. Un album qui révèle l'as de la compo qu'est Pascal Obispo. Un compositeur est là pour mettre en exergue des mots. C'est plus facile de mettre en exergue les mots des autres. Notre difficulté à nous quand on écrit pour nos propres chansons, c'est de ne pas se sentir à la hauteur, par exemple. Pour lui, le secret d'une relation auteur-compositeur qui fonctionne, c'est la correspondance. Il faut avoir le sentiment que l'auteur écrit exactement ce que vous êtes, ce que vous ressentez au moment M. Comment savoir, comment s'aimer. Pascal Obispo compose très rapidement et marche à la spontanéité. Et il y a une chose qui le fait particulièrement vibrer. De trouver la note juste pour le mot qui est le point d'ancrage de la chanson. Quand vous avez la note du refrain ou la note du début du couplet, c'est une vraie satisfaction. Après, vous pouvez dérouler. En 30 ans de succès, il y a une chanson dont il est particulièrement fier. Celle que j'ai écrite pour Youssou N'Dour. Moi, c'est une des plus belles chansons que j'ai composées. Si c'est pas malheureux. Le beau qui pleut est disponible depuis aujourd'hui. Sa tournée anniversaire, elle, démarrera le 6 octobre à Amiens et passera entre autres par Toulouse, Amnéville et Limoges. Comme chaque vendredi, Basique vous donne deux incontournables pour votre week-end. On démarre avec Dieter. Et enfin, découvrez Taureau et Moy. Ces deux nouveautés sont à écouter dans la playlist Basique 2023 sur Spotify. Bon week-end !